Il n'y avait pas foule à l'entraînement de Metz Handball ce mercredi. Ce n'était pas l'envie de souhaiter un bon anniversaire à Emma Jacques qui manquait, mais avec 10 joueuses sélectionnées pour disputer le mondial dans les prochains jours, Metz Handball est un peu démuni. Mais pas question de prendre une pause pour autant. Oui, parce que même si les différents championnats sont mis en stand-by pendant la période internationale, il faut bien entretenir les corps pour les filles qui partent pas à la compète, donc on continue de travailler bien sûr derrière. Enfin, moins on est, plus on est contente, parce que ça veut dire qu'il y a des filles qui représentent le club avec les équipes nationales, donc c'est super pour elles. Et puis de notre côté, on adapte juste le travail, et ça c'est le boulot du staff qui nous propose des contenus plus individualisés, vu que là, actuellement, on est 4-5 aux entraînements, donc on travaille différemment, plus spécifiquement. Et on essaie d'entretenir le cardio un peu différemment aussi, vu qu'on ne peut pas faire trop de jeux sur grand espace. Et c'est un type de travail qui est différent, mais qui est tout aussi satisfaisant et stimulant pour nous. Julie Leblévec, Emma Jacques, Zalia Tamlamali, Delia Golvé et Claire Kosner, voici l'effectif qui occupait le terrain sous les consignes d'Emmanuel Mayonnade et Katia Andriushina. Exercice d'activation sous forme de jeu, exercice spécifique poste par poste, consignes individualisées et une bonne dose de bonne humeur, tels étaient les ingrédients pendant près de 2 heures. Ces entraînements, un peu particuliers, mais qui semblent appréciés de toutes, vont se prolonger tout au long de la trêve.